Yo la team Pika, j'espère que vous avez la pêche les potes. En tout cas moi ça va nickel, nouvelle vidéo. Putain d'abonnés mon gars. Yeah, on pèse dans le game nous. Non je rigole les potes, faut rester réaliste. Mais ça me fait super plaisir les amis. Que du bonheur. Aujourd'hui les amis, on va se retrouver sur une vidéo un petit peu spéciale, particulière. Il y a 5 jours de ça, j'ai été invité à un événement créé par Kirua. Yeah, Kirua. Je ne suis pas allé seul, je suis allé avec mon poteau Raph et mon poteau Petit Kebab, alias Lucas. En vrai, j'ai essayé de faire un vlog, mais c'est un massacre. Enfin, je crois que c'est pareil pour tout le monde en fait, parce qu'on devait tous vlogger. Sauf que comme on était plusieurs youtubeurs, on a tous profité entre nous pour se parler, discuter. On a oublié d'en faire des vidéos. Mais je vous ai quand même rec beaucoup de trucs. Alors on devait aller à Lyon pour l'événement You Fight. Comme mon t-shirt, vous voyez là, You Fight. J'ai même réussi à pêcher une casquette. Enfin, pas une, même deux. Peut-être que je vous la ferai gagner si ça vous intéresse. Alors comme je vous ai dit, c'était à Lyon. On s'est d'abord arrêté au tacos parce qu'on est vraiment des gros porcs. Magnifique tacos. Ensuite, on est allé à l'événement et c'était une putain, mais une putain de salle. It took a decade just to get me here. That felt like a second though. So you time was relative. I've been here for a minute, ho. Now I'm hard to stop the world, oh no. Pretty close. Pretty close. Rocket hit a lot of rain. This girl looked like a centerfold. Oh, it's less impressive till you're bending it. Connected like the internet and like I invented it. C'est vraiment une grande salle et en plus il y avait un truc, vous savez, pour frapper avec le poing. Vous savez où vous devez mesurer votre puissance, où vous devez frapper sur le gros punching ball là, que ça fait pa, pa, pa. Tellement qu'il y en a qui étaient bouillants. Il y a même Game Stress qui s'est pété le poignet. Enfin il s'est pas pété le poignet mais il a eu mal, il a eu mal. Là j'en suis le truc là. Je vais faire 200 gros. Faire comme Eddie, on part de là. Mais vous allez me dire pourquoi il y avait des trucs de boxe et tout, parce qu'en fait le jeu est un jeu de combat où vous devez vous intégrer physiquement dans le jeu. Un jeu comme ça que je jouais, c'était je crois Tekken. Et en fait, ben, vous devez vous battre. C'est le principe d'un jeu combat. Sauf que les personnages, c'était nous. Et ce qu'il fallait faire en fait pour s'intégrer dans le jeu, fallait nous filmer sur un fond blanc. Un peu un truc comme ça, un grand fond blanc. Il fallait qu'on fasse nos techniques de combat. Donc défense, frappe, kamehameha. Bien sûr, j'ai filmé tout le monde parce que c'était super drôle. Ah ouais. Ah mais quand ça va être dans le jeu et avec le masque, là, ça va pas rigoler. Ça va être... C'était ma petite passe de contre, on va dire. Et après tout ce putain d'effort, le repas. Oh, y avait un buffet les amis, on s'est mais régalé, c'était vraiment super bon. Il
manquais vraiment de rien, mais comme j'avais mangé la tacos juste avant, j'avais pas trop faim. C'était assez dommage parce que c'était vraiment super bon. Il y avait beaucoup de choses. Une fois qu'on avait fini de manger, il y avait des petits qui étaient en train d'intégrer nos personnages dans le jeu. En fait, ils faisaient pour pas que nous on s'embête à le faire. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que tout le monde peut le faire. Vous pouvez acheter le jeu, vous avez le lien dans la description. Et en fait, tout le monde peut s'intégrer dans ce jeu. Génial! Merci vraiment à ces jeunes enfants qui ont fait tout le travail pour nous. Ouais, franchement, c'était cool. C'était super cool, il y avait beaucoup de monde. Trop de monde, même qu'il s'est passé vraiment des trucs chelous à la fin. J'en dis pas plus. Ah, attends, ça passe en moins de 18, là, sinon. Ah, arrête! Ouais. C'est là que j'ai ma jambe, elle se découpe. Ah non, non, pas là, pas là. Oh putain, ça nique la jambe en plus. Oh, elle a la fouetté. Déjà, faut que j'arrive à vider son dos pour commencer. Ah, il s'est fait fouetter avec une carte. C'est ma frère, c'est ma dos. Ah ouais, ça l'oxyde. Voilà. T'as la miniature, t'as la miniature. J'ai la miniature. Voilà. Mais où? Alors. Faut t'achat, tu vois. Allez, joue au truc, tu vas faire un jeu. Bref, effacez tout ce que vous venez de voir, hein, il s'est rien passé. Bon, et avant de vous montrer des images du jeu avec nous dessus, j'aimerais quand même que Kiroi lui-même vous explique un petit peu le but de son jeu, les trucs qu'il y a et tout, parce que bon, le jeu, je sais pas c'est quoi, mais comme lui, il fait partie du développement, il en sait mieux que moi. Donc c'est à lui de vous expliquer. Bon, les amis, on est avec Kiroi. Salut. Bon, Kiroi, c'est celui qui a organisé la soirée You Fight, et en fait, ben, pour tous ceux qui se demanderaient comment marche le jeu, il va vous expliquer dans les meilleurs détails. Exactement. Alors on a voulu faire un jeu de combat en 2D dans lequel n'importe qui peut être dedans sans avoir besoin de matériel de ouf, etc. C'est-à-dire pour atterrir dans le jeu, en fait, il faut juste se filmer sur un fond contrasté. Donc même un papier peint avec des dauphins bleus, ça va fonctionner. Tant que tu portes pas de bleu sur toi-même, tu vois, et tu te filmes devant ce mur-là, tu enregistres tous les moves que tu veux que ton personnage y fasse pendant le temps que tu joueras. Et après, tu fais ça, ta petite vidéo, tu la fous sur l'éditeur du jeu. Et là, t'as un petit éditeur qui permet de créer un perso. C'est tout con. Ta vidéo, elle apparaît. Tu dis, bah, de là à là, c'est un coup de poing. De là à là, c'est un coup de pied. De là à là, c'est un coup de boule. Tu continues comme ça. Ça te prend 15 minutes, on va dire. Et une fois que t'as terminé ça, tu choisis les effets spéciaux que tu mets sur ton personnage, etc. Genre le type de boule de feu qu'il lance, le type de pouvoir qu'il a, parce qu'il y a différents pouvoirs, il y a différentes classes dans le jeu. Elles sont pas encore toutes implémentées, mais ça arrive avec le temps, parce que le jeu il est encore en alpha. Ouais. Même s'il est en early access sur Steam à 4,90, petit placement de produit. Vous avez bien la description, ça y est. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai filmé tout le monde, j'ai filmé le Bouzeux, GameX13, AdriGeek. On s'est tous filmés sur un fond blanc, et après, le personnage qu'on a filmé va se retrouver dans le jeu. C'est vrai que les meilleures conditions, c'est un fond blanc avec l'éclairage qu'on a mis, mais en vrai, n'importe qui, j'ai reçu des vidéos dégueulasses de certains joueurs. Ils m'ont envoyé leur personnage, c'était vraiment filmé avec un tel Alcatel, tu vois, genre c'était pourri. Et pourtant, on a réussi à le mettre dans le jeu et ça rendait vraiment bien, tu vois. Donc, si vous avez un iPhone en bonne qualité, ça marchera nickel. Nickel. Et voilà, on a voulu faire un jeu de combat dans lequel les gens ils peuvent être dedans directement. Et donc, au final, le jeu, ça donne ça. D'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce genre de vlog, comment on pourrait dire ça, je sais pas, bref, j'espère que ça vous aura plu. J'étais très content d'y participer parce que j'ai pu voir plein de copains youtubeurs et ça m'a fait extrêmement plaisir. Si jamais vous voulez gagner
une casquette YouFight, ben laissez un petit commentaire, je sais pas, un petit commentaire sympathique avec un petit like. Je prendrai quelqu'un au hasard dans les commentaires pour lui faire gagner. En tout cas, l'événement a été super cool. Je remercie encore Kiroa et toute son équipe. C'était vraiment super bien. Je me suis vraiment éclaté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, de laisser un petit like. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Peace.